Pancarte en main et masque de Dali pour dissimuler le visage, en brûlant un masque sanitaire, Bruno Lauret dit vouloir envoyer un signal fort aux autorités. Parce que tu as sorti, tu as une activité sociale, tu as un loisir, tu as côtoyé tes camarades, c'est beaucoup tout ça moyen de communication privilège que cette constitution donne nous là. En fait, je suis sorti, qu'on a déjà une peine perdue à l'oral, tout nous donne, en fait, nous causer. Coup d'envoi de la marche à 14h45, Raouf Kodabakus ne cache pas son exaspération. Nos vies marchent libres, nos vies circulent libres. Quand nous finissons de parer, nous allons être sortis, nous allons être mariés, nous mettons une jolie robe, nous mettons un costume, nous allons mettre un masque. Il est pour être masque, Mauricien, Mauricienne. Ou allons sortir dans la case, ou commence à dire au gouvernement, nous n'avons plus envie de mettre masque, nous avons envie de vivre libre. Il est pour retourner nous la liberté. Davidson Assi, Nina Ramdeni et Ivor Tanyan en tête du cortège. Pour le syndicaliste, trop de flou entoure la gestion de la Covid-19. Une fois, c'est une deux poids de mesure. Nous pas comprendre qu'il fait pour maintenir une mesure sanitaire alors qu'il y a un chiffre du Covid à Maurice en complète baisse depuis plusieurs mois et que le ministère de la Santé lui-même peut donner ce chiffre-là. Donc, quelle est la raison de maintenir sa bonne mesure sanitaire là? Pour bien faire comprendre le message, les organisateurs usent de tous les moyens. Parmi les manifestants, Julie, qui appelle les autorités à la raison. Vous savez qu'il y a plus de 50 pays dans le monde qui ont levé les restrictions sur les masques. Je veux la même chose pour Maurice. Je veux que vous puissiez vous balader dans la rue sans votre masque, sans souffrir de ça, sans vous choper les microbes, sans être étouffé. Les enfants, mon fils a tenu à venir, il a 8 ans. C'est pas normal qu'on prive des jeunes en croissance de leur oxygène. Cette nouvelle mobilisation de l'Union Pep Mauricien dans les rues de la capitale pour dénoncer le maintien des restrictions sanitaires à Maurice, un moyen pour museler la population selon les manifestants. इतना सारे पैसा दो दो हजार दो हजार मान लो कि सौ आदमी है सौ आदमी दो सौ आदमी है तो दो सौ आदमी का दो दो हजार कितना रुपया है बताओ मुझे ये सब चीज उसका बहाना है हमारे जो प्रधानमंत्री है उसका सिर्फ बहाना होता है ये हम नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे आउट